monde, c'est Lorraine et aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo pour vous montrer les diamants que j'ai reçus pour un de mes projets de HAED. HAED c'est pour Heaven and Earth Designs, c'est un site sur lequel à la base on pouvait acheter des points de croix, mais maintenant Michelle, la propriétaire, vend des diamond paintings. Mais ce qui est intéressant c'est qu'elle vend que les DP, donc ils viennent sans diamants. Et je vous ai posté la vidéo de unboxing, je ne sais plus quand, mais je vous mettrai le lien en haut à droite de l'écran si ça vous intéresse d'aller voir le unboxing, parce que c'est les diamants pour un de ces projets-là que j'ai reçus. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu donc les DP, comme vous les avez vus, les deux DP sans diamants, et je me suis dit pour un des DP, donc celui de Alena Lazareva qui s'appelle Mini Elf, je vais tester les diamants de Evermoment, parce que bon, je pense que les diamants de Evermoment, je crois que c'est un des tops. Donc je me suis dit, on va tester ça. Donc je les ai contactés sur AliExpress et je leur ai dit, j'aimerais acheter que des diamants. Comment est-ce qu'on procède? Et là, ils m'ont répondu, il n'y a aucun souci, on fait ce genre de choses-là. Mais alors, pour nous envoyer la liste, il faut que vous passiez par notre adresse email. J'ai dit OK. Donc, ils m'ont donné une adresse email qui est un peu bizarre là, mais je me suis dit, ben, je leur fais confiance. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai converti. Donc, Michelle, elle vous donne... Là, j'ai les dates, on va en parler après des dates. Mais Michelle, elle vous donne la liste des DMC avec le nombre de diamants dont vous avez besoin. Elle donne la liste sous format PDF. Mais j'ai été capable de le convertir en format Excel. Donc, j'ai converti ça en format Excel et j'ai envoyé ça à Evermoment. Donc, elle vous donne vraiment tous les DMC dont vous avez besoin, vous voyez. Il y a 90 couleurs dans ce DP, avec même la couleur là, à laquelle ça devrait ressembler. Et le nombre de diamants que vous devez poser sur la toile. Donc, ça ne compte pas le 30% d'extra. Ok, ça, c'est vraiment le nombre de diamants que vous posez. Et... Evermoment, quand ils m'ont contacté pour me donner leur adresse email, ils m'ont dit « Vous n'avez pas besoin de compter le 30% supplémentaire ou le 20% supplémentaire, on va le faire pour vous. » Et là, j'ai dit « Ah, ben, c'est encore moins de travail. » Bien que moi, dans Excel, j'aurais pu faire une troisième colonne et rajouter une formule où j'aurais mis ça plus 30% de ce chiffre-là. Ils m'ont dit « Non, vous n'avez pas besoin de faire ça. Envoyez-nous la liste. » Donc, j'ai envoyé tout comme ça. Et alors, pour vous donner les dates, parce que j'ai les dates là. Donc, je les ai contactés le 4 juin via AliExpress. Ils m'ont répondu le 5 juin, donc ça a pris 24 heures. Et je pense que le 6 ou le 7, je crois que le 6 juin, je leur ai envoyé par email le fichier Excel. Et ils m'ont donné, donc, ils ont accusé réception du colis, enfin, pas du colis, ils ont accusé réception du document pour me dire tout est bien, on a tout ce qu'il faut. Et ils m'ont donné un lien à cliquer sur lequel j'ai commandé mes diamants. Donc, je crois que je les ai commandés le 6 ou le 7. J'aurais dû vérifier ça. Mais tout ça pour dire que ça s'est passé presque tous les jours, il s'est passé quelque chose. Mais je les ai reçus le 21 juin. Donc, entre le 4 juin et le 21 juin, c'est rien, ça. Donc, si je suis contente, je vais recommander des diamants pour le HAED que j'attends en ce moment. Ça se pourrait que vous l'ayez même vu sur la chaîne parce que je suis tellement en retard. Il y a tellement de vidéos sur YouTube que ça se pourrait que je l'ai déjà montré. Donc, c'est ça que j'ai reçu aujourd'hui. Et on va regarder ça. On va voir comment est-ce qu'ils ont, emballé ça et tout. Parce que s'il y en a certains d'entre vous qui travaillent de toile vierge, que ça soit de n'importe quoi, peut-être même pas un HAED, mais quelque chose d'autre, parce que je sais qu'il y en a qui prennent des images et qui les convertissent avec un logiciel, ils achètent une toile vierge et ils achètent les diamants. Donc, on va voir comment c'est. Donc déjà, je ne savais pas ce que c'était parce que j'ai vu ça. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'attends rien dans un petit sachet comme ça ou quoi là, donc... Je l'ai déjà ouvert et effectivement, ce sont bien les diamants que j'ai commandés. Et je me suis dit déjà. Donc, j'ai un sac, deux sacs,
et 3 sacs. Je crois que le DP, c'est un 60 par 60, si je ne me trompe pas. Je pense, hein. Je pense. Donc, ça ne m'étonne pas que j'en ai autant. Mais regardez ces couleurs. Je ne les ai même pas sorties du sac, en fait. Je me suis dit, je vais filmer, les sortir ensemble. J'ai juste regardé vite fait dans le sac et je me suis dit, ah oui, je sais qu'est-ce que c'est. Je parle trop vite. Oh, regardez ces couleurs. C'est joli, hein. C'est joli, joli. Et la palette, là, ça ne m'étonne pas parce que c'est vraiment... vraiment l'image que j'ai commandée. D'ailleurs, en parlant de ça, laissez-moi aller chercher ma fiche. Donc oui, ça c'est l'image. Vous voyez l'image? Donc il y a beaucoup de roses, de jaunes, bien évidemment, orange et couleur peau. Et quand je regarde ça, ouais, c'est... Ouais. Parce que là, on voit du vert. Le vert, on le retrouve dans ses ailes. Bon, bien évidemment, beaucoup de violet et de rose qu'on retrouve dans l'arrière-plan, là, sur les côtés. Et je pense que les couleurs peau... peut-être que les... On va regarder ça. On va regarder ça. On va pas tout ouvrir, là, mais on va en ouvrir quelques-uns pour regarder comment ça se présente. Donc, ça, c'est l'image. L'image que j'ai achetée en noir et blanc. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas vu l'unboxing, je vous invite toujours à aller le voir. Et je suis contente de ce que je vois, là. Juste comme ça. Comment ils ont fait ça? Alors là, c'est le 3 sur 3, 1 sur 3, 2 sur 3. Ok, super. Donc, si j'ouvre, on va regarder ça, là, comment ils ont compté et tout, là. Ok, donc, par exemple, celui-là. Donc, ça, c'est le 3607. On va regarder la qualité, juste pour... Ouais, ça a l'air... J'en vois un qui n'est pas beau là, mais non, ça a l'air très bien. Je suis très contente. Je pense que je vais commander tous mes diamants chez Avant Moment. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas beaux, mais en général, je pense que ça va. Mais alors, en revanche, est-ce que ce sont des sachets de 400, ça? Je pense que oui, hein. Donc, si on prend celui-là, le 360, et qu'on vient sur la fiche... Non, 3607, pardon. 3607. Il est là. Il m'en faut 5818. Et moi, j'assume qu'il y en a 400 là-dedans. Donc, 400, 800, 1200. 1800, c'est ça? Ouais. 100. Attendez là. Ah là là, moi il est mat comme ça là. Je sais pas. Il faut que je prenne une calculette. Mais j'utilise mon téléphone pour... Attendez. On va peut-être prendre un DMC que j'ai en plus petite quantité. On a le 917 là. Ah, peut-être que ce sont des sacs de 1100. Parce que là, quand je prends un 917 et je vois 944, 944 et j'ai un sac. À moins qu'il y ait un autre sac quelque part. Donc, est-ce que c'est 1000 diamants, ça? Je sais pas. J'ai pas gardé mes feuilles d'Avant Moment. Le 550, par exemple. Donc, d'après ma feuille, il m'en faut 888. Juste là. Là. Ils m'ont donné un sac. Donc, peut-être qu'il y en a 1000 dans ces sacs. Peut-être que c'est ça. Donc, peut-être que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peut-être que j'en ai 8000 du coup là-dedans. Qu'est-ce que ça donne ça si on dit qu'on en a 8000 hein? 3607. J'en avais besoin de 5818. Donc, ben, peut-être que c'est ça. Hein? Je sais pas. Tout ça, c'est en grande quantité. Je regarde un peu tout ce que j'ai là. Et c'est ça, comme j'ai dit, il y a 90 couleurs là-dedans. Mais
Je sais pas si je devrais vérifier si j'ai tous les diamants, peut-être. Hein. Ça ne me tente pas parce que je déteste faire ça. Mais le truc, c'est que là, je l'ai en trois sacs et j'aime pas ça. Je préfère que tout soit dans un sac. Donc, j'ai des gros sachets refermables là de la marque Ziploc et je pense que je vais tout mettre dedans. Donc, peut-être qu'au fur et à mesure que je vérifie mes DMC contre ma feuille, contre les DMC que j'ai sur ma feuille, je vais les transférer dans un gros sachet. Un gros sachet. Ça, en revanche, je sais que c'est 200. Il y a le petit 2 là. Ça dit que c'est 200, ça. 3, 8, 5, 9. On va regarder le 3, 8, 5, 9. 3, 8, 5, 9. Il m'en faut. Ah non, il m'en faut 2048. Donc, je pense que pour celui-là, par exemple, il doit être quelque part d'autre aussi. Donc, peut-être que ce que je devrais faire, vous savez quoi? Je ne vais pas le faire à la caméra. Mais je vais m'asseoir, je vais vérifier que j'ai bien tous mes DMC en quantité suffisante. Et je reviens vers vous pour vous dire qu'est-ce qu'il en est. Parce que ouais, comme je vous dis, c'est la première fois que je fais ça. Donc ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais arrêter la vidéo, tout vérifier, tout mettre dans un grand sachet refermable. Et je reviens vers vous pour vous dire si j'ai bien reçu tous les DMC que j'ai sur mes fiches là. Donc j'ai une fiche recto verso et cette fiche pour un total de 90 couleurs. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Ouais, je vais vous dire ce que j'en pense. Parce que si jamais il y en a d'entre vous qui souhaitent commander, ben est-ce qu'ils ont fait des erreurs? Est-ce que tout est bien? On va voir. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous dire si j'ai bien tout reçu. Ok, donc moi je vous retrouve une demi-heure plus tard. Ça m'a pris beaucoup de temps là pour tout vérifier, mais tout est là. Tout est là, donc là il est pas mal plein, vous voyez. J'en ai sorti quelques-uns juste pour vous montrer au niveau des quantités, pour vous dire que c'est génial là. Hein. Donc tout est surligné. J'ai vérifié que j'avais bien tous mes DMC, comme vous voyez. Tout est bien surligné. Et je voulais vous montrer ça. Alors, j'en ai sorti quelques-uns. Donc le 5, 155, donc on va regarder la qualité encore une fois là, juste pour s'assurer que tout est bien. Mais je pense que ça va. Hein. Ils ont l'air bien. Alors, 155, si on regarde la fiche, ça me dit qu'il m'en faut 264. Ok, c'est juste là. Et ça, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'il y en a 800 là-dedans. Je ne sais pas c'est quoi le petit 8. Mais 150. 8, j'ai dit? Non, 155. Il m'en faut 264. Dans un sachet, il y en a 200 là. Donc, ils m'ont donné 200, 2, 4, 6. Ils m'ont donné 600 diamants alors qu'il m'en faut 264. Donc, ça, c'est génial. C'est super ça. Donc, oui, ils m'en ont donné bien plus. Autre exemple, 3, 7, 4, 3. Quand je viens ici et que je regarde là, il m'en faut 284. Ils m'en ont donné 600. Encore une fois, super. 647, ils m'ont donné deux sacs de 200 alors qu'il m'en faut 92. Un sac aurait suffi, ils m'en ont donné deux. Donc c'est pour vous dire là, je recommande, je recommande, je recommande. Maintenant, reste à voir si les diamants passent bien sur le DP que Michel a fait. J'espère que le quadrillage sur son DP, il est bien de 2,5 mm et pas 2,4 ou 2,6 là. Donc, ça me tente même d'essayer de mettre quelques diamants juste pour voir pour la pose. Mais, ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais ça, ce serait un DP que je pourrais faire prochainement. 524, vous voyez, il m'en faut 92. Ils m'ont donné deux sacs. Donc, j'en ai 400. C'est ça que je dis là. Je suis vraiment, 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 vraiment contente. Et pour terminer, juste pour vous montrer, pour le 738, il m'en faut 530. Et ils m'en ont donné 1000. Ça, ce sont des sacs de 1000, ça. Donc oui, c'est bien. Oui, c'est génial. Et tout est rentré là-dedans. Là, c'est un peu une panique. Mais c'est pas grave parce que tout est ensemble. Et du coup, sur ça, parce que ça, j'ai imprimé ce que j'ai envoyé à Evermoment. Donc, je vais marquer
Parce que ça, j'en ai pas besoin pour faire mes boîtes. Michelle, quand elle vous envoie le diamond painting, elle a des étiquettes autocollantes. Tout est fait pour vous, sauf les diamants. Donc ça, j'en ai pas besoin. Tout ce que, la seule utilité que je vois avec ça, c'est pour mes boîtes. Vous savez, quand je vais organiser mes diamants et pour voir, ok, j'ai à peu près tant de diamants, je vais utiliser une grande boîte, je vais utiliser une petite boîte. Donc ça, c'est la seule utilisée pour ça. Donc je vais marquer mini elf. HAED. Comme ça, je sais que ça appartient à ce projet. Parce que je pense que je vous l'avais dit, j'aime pas écrire sur les sacs. Je préfère mettre un papier dedans. Et du coup, ça, je vais le plier en trois. Comme ça, là. Et je fais ça un peu à l'arrache. C'est pas grave. Et ça, je peux le mettre là-dedans. Alors, attendez. Est-ce que c'est mieux de le mettre de l'autre côté, peut-être? Ah, peut-être. Là où c'est un petit peu moins la panique. J'ai essayé de rouler hein, les ribambelles, mais c'était pas tout le temps facile. Et là, du coup, je peux le fermer, enlever tout l'air. Et voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, tout est rentré là-dedans. Il y a même encore de la place, vous voyez là. Donc, tout est ensemble. Ça va être du travail pour tout organiser. Il y a 90 couleurs, comme je l'ai dit. Mais la qualité des diamants, elle a l'air top. Ils donnent assez de diamants. Donc, ne faites pas les calculs des 30% supplémentaires. Hein. Ils vont le faire pour vous. Ils en donnent une tonne. Une tonne. Donc, je ne m'inquiète pas au niveau des quantités. Et maintenant, reste à voir, du coup, si... au niveau de la pose et du quadrillage du DP que Michel allait imprimer, que tout aille bien. On va voir là. On va voir. Mais ça, c'est toujours un DP que je peux commencer. Quand est-ce que je pourrais le commencer? Je sais pas. Une fois que j'ai fini le diamond painting de Oraloa, que j'attends encore. Je ne sais pas quoi vous dire. Si vous voulez mon retour sur ça, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas de le commencer après le DP de Oraloa. Pour vous dire ce que je pense de la pose des diamants sur la toile. Mais ce que j'aime de la toile aussi que j'ai commandée, c'est qu'elle est en noir et blanc. Donc on va vraiment avoir un effet de surprise au fur et à mesure que je travaille sur le DP. Parce que j'ai fait exprès d'utiliser ou de demander les symboles en noir et blanc et pas en couleur pour vraiment avoir, comme je dis, l'effet de surprise au fur et à mesure que je travaille sur le DP. Donc j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir ça. Mais voilà ce que je voulais vous partager en vidéo aujourd'hui. Je sais que c'est une vidéo assez courte, mais c'est pas grave, ça change un peu des longues vidéos que je vous mets ces temps-ci sur YouTube. Si jamais vous avez des questions à propos du processus pour la commande des diamants ou quoi là, vous pouvez me contacter par email si vous avez des questions vraiment spécifiques. Je laisse tout le temps mon adresse email dans la barre de description sous la vidéo. Je crois qu'elle est tout en bas en fait, tout en bas de de tout le texte que je mets. Mais je vous mettrai le lien vers la boutique Evermoment. Je crois que je l'ai commandé de Evermoment Official Store. Parce que je crois que maintenant, ils ont 6 boutiques au Evermoment sur... Ben, 6 boutiques. Ouais, sur AliExpress. Et eux, ils vont vous donner... Une fois que vous les contactez, eux, ils vont vous donner l'adresse email à laquelle envoyer le fichier. Je préfère pas vous donner l'adresse email, là, pas comme ça. Mais je vous mettrai le contact sur AliExpress ou le lien vers la boutique de Evermoment. Comme ça, après, vous allez pouvoir les contacter et commander ce que vous avez besoin de commander. Donc, c'est ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Bye bye!